Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que votre journée se déroule bien. Si je fais cette vidéo rapide, enfin, on verra, c'est pour vous faire partager quelque chose que j'ai découvert il y a un mois à peu près et qui m'a été très positif pour la fibromyalgie. Alors moi je souffre de fibromyalgie, hein, et mais bon, pas que. Mais ça a été très positif pour moi. Et donc je voudrais vous le faire partager. Alors ce produit, c'est celui-là. Je vous le montre. Voilà. C'est du CBD, ni plus ni moins. Alors qu'est-ce que c'est que le CBD? Vous prenez du cannabis. Le cannabis a deux entités, on peut dire ça comme ça. C'est le THC et le CBD. Le THC, c'est ce qui vous fait voler, voir des éléphants roses. Voilà. C'est ce qui vous permet, quand vous fumez, de voyager. Maintenant, le CBD, c'est complètement différent. Le CBD, lui, il est juste actif au niveau des douleurs. Alors, quand je vous dis actif, le mot est juste bien parce que le jour même, dès que j'ai commencé à le prendre, eh ben, les douleurs de la fibromyalgie se sont atténuées de plus de 50%. Et quand je vous dis atténué, c'est atténué. Ça fait un mois que j'en prends maintenant. Et quand l'envie m'en prend, je fais de la corde à sauter, chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, il est recommandé par des médecins qui ne sont pas trop... Comment dire, qui n'ont pas trop d'œillères, on va dire, hein, parce que c'est quand même quelque chose, si vous allez regarder sur Internet, c'est quand même quelque chose qui est puissant dans le sens de, pour les douleurs. Il est très puissant, il est vraiment, il vous calme vraiment très bien. C'est quelque chose, voilà, ça vous calme plus qu'un médicament quelconque que vous allez prendre. Sans le côté négatif de tout ce qui est chimique, etc. Donc, bonjour à vous tous qui regardez. Donc, sans tout ce qui est chimique, etc. Donc, ça va vous faire du bien, mais ça ne va pas vous faire du mal à côté. C'est par exemple, si pour la douleur, vous prenez un Doliprane, ça va vous faire l'effet au bout d'une demi-heure et au bout de 2 heures, vous êtes obligé d'en reprendre un. Avec le CBD, ce n'est pas le cas. Avec le CBD, vous prenez votre dose. Bon, après, il faut que vous trouviez votre dose, forcément. Vous prenez votre dose et vous en avez pour la journée à être tranquille. Parce qu'il vous déstresse, il vous désangoisse. Donc, à partir de là, vos muscles se détendent. Vous avez beaucoup moins de douleurs. Et petit à petit, les douleurs disparaissent. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est un produit miracle, c'est pas vrai, ça va. Enfin, quoique pour l'instant, je ne sais pas. Hein, pour l'instant, j'en suis à la première étape, c'est-à-dire calmer les douleurs. Et là, pour le coup, je suis gâtée. Hein. Je dois vous dire que j'y croyais pas au début. Et puis au final, je suis bien obligée d'admettre que ça marche. Voilà. Voilà, ça marche. Et c'est vrai que pour la fibro, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de bien. Bon, après, c'est vrai qu'on a tendance un peu, dès qu'on a plus mal, on a tendance un petit peu à se laisser aller, à faire des trucs un peu plus costauds et tout. Et bon, ça vous ramène quand même un peu à la réalité, mais à savoir que dès que vous arrêtez de faire des efforts, vous arrêtez d'avoir mal. Donc vous n'avez mal que quand vous faites de gros efforts. C'est vraiment un traitement que je conseille à tous ceux qui ont mal, qui souffrent, à tous ceux qui sont angoissés, stressés,
mal dans leur peau, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui ont des problèmes avec leur mémoire, qui ont des soucis pour se déplacer. Enfin, c'est vraiment un antidouleur, mais super efficace parce que, comme je vous dis, il n'a pas de contre-indication. Voilà, il n'a pas de contre-indication, il est super efficace. Et tous les Doliprane et Feralgan et tout ça, vous pouvez les ranger. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu à la télé qu'en ce moment, ils sont en train de faire la chasse aux médicaments avec des drogues dedans. Ce qui, à mon sens, c'est tout à fait normal parce que c'est vrai que c'est des médicaments pour les avoir essayés qui, au bout d'un moment, ne font plus effet, ne vous soulagent plus, mais par contre, ils continuent à vous faire du mal. Donc, je ne vois pas l'intérêt de prendre toutes ces cochonneries. Moi, de plus en plus, je suis dans les herbes, dans le naturel. Je laisse tomber le chimique petit à petit. Et voilà, je ne veux absolument plus rien de chimique dans mes médicaments. J'ai l'autre fois, mon fils avait une bronchite. Je l'ai soigné grâce aux huiles essentielles. Alors, il y en avait de partout. Il en a eu dans le nez. Il a eu des crèmes. Je lui ai désinfecté la chambre avec des huiles essentielles. Et je vous assure que là, sa bronchite, il en a plus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que pour moi, les lobbies de la pharmacie, c'est fini. Hein. Ils vont pas garder. Ils vont pas me garder longtemps et ils vont pas gagner beaucoup d'argent avec moi. Donc je vous montre donc le CBD. Voilà, donc c'est des huiles. Hein, je vous ouvre le paquet devant vous. C'en est un que j'ai pas encore, parce que là je suis en train de finir celui à la cannelle. Et celui-là, il est voilà, au café. Donc vous avez une petite pipette dedans. Et que je vous montre aussi, voilà la petite pipette qui remplacera le bouchon. Vous prendrez les gouttes qui vous seront conseillées ou qui vous sont nécessaires. Et tranquille pour la journée, plus de douleur, plus rien pendant la journée. Alors, j'ai aussi découvert, voilà, cette crème, pareil, qui est un antidouleur, mais qui est de la même gamme. Donc, moi, j'ai des points d'arthrose au niveau des poignets. C'est horrible parce que quand ça arrive, je ne peux rien faire. Et avec cette crème, c'est soulageant, ça soulage instantanément. Et enfin, pour moi, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne réagit pas pareil, c'est ce que je disais encore l'autre fois. Je vous parle de moi, donc pour moi le CBD marche. Je sais qu'il y en a plein sur qui ça marche aussi, les retours sont très positifs. Et pour la crème c'est pareil, donc j'ai des points d'arthrose au niveau des poignets. Et je peux vous dire que une fois que j'ai bien fait pénétrer la crème en massant au niveau des poignets, la douleur disparaît. Bon, bien sûr, faut pas prendre la pelle, la bêche et aller faire le jardin parce que vous n'avez plus mal, parce que la douleur risque de revenir. C'est juste un calmant, hein, un calmant. Après, par la suite, à force de l'essayer, peut-être que ça va vous diminuer l'arthrose. C'est fort possible. Comment dire? Les études sont en route. Mais pour l'instant, voilà, c'est deux antidouleurs que j'ai essayé et c'est deux antidouleurs que je vous recommande pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont mal, pour ceux qui ont des stress, des angoisses, des pathologies dans ce genre-là. Je vous le conseille fortement. Voilà, donc si vous voulez d'autres informations, contactez-moi en MP, je suis disponible les trois quarts du temps. Si je réponds pas, c'est que je peux pas, sinon je réponds.
Donc voilà, j'espère que j'ai apporté un petit peu de bonus, un petit peu de bonus pour ceux qui souffrent. Et n'hésitez pas à me contacter en cas de, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai rien à y gagner, hein, c'est pas moi, hein. Je vous mettrai en rapport avec la personne qui s'en occupe. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt, bye.